Le CSA a souffert pendant des années de la nomination d'un président. Je ne vais pas développer tout ça aujourd'hui, mais tout le monde sait qu'il y avait absence de présidence au niveau du CSA. C'est ce qui a fait que certains se sont portés, j'allais dire, porte-parole du CSA pour aller prendre la parole et dénoncer quelques actes de gestion de la JSK sur les plateaux de télévision, encore une fois. Encore une fois, arrêtez d'insulter ou là de propager des mensonges à travers tous les médias, qu'ils soient médias lourds, médias télévisuels, radiophoniques, presse écrite. Arrêtez de porter atteinte, préservez au moins ce club jusqu'à cette ouverture du capital. Parce que, encore une fois, c'est la JSK et c'est la région tout entière qui risque d'en payer un prix pour lequel nous ne sommes pas disposés à faire face. Et c'est qui, j'appelle les supporters, solennellement, dans le calme. C'est tout à fait légitime, je dis bien tout à fait légitime. C'est leur droit le plus absolu de souhaiter ou de vouloir que leur club marche et que leur club fasse des résultats. La JSK est un club mythique. La JSK est un grand club. Donc, il faut appeler au calme, il faut être solidaire. Tenez bon jusqu'à l'ouverture du capital. Je dis bien jusqu'à l'ouverture du capital et encore une fois, je parle sous le contrôle du président et du directeur général. Ce que je regrette le plus, c'est le comportement de certains supporters vis-à-vis des personnes par les insultes, les invectives, les injures, des propos un petit peu indécents qui n'ont jamais existé à la JSK. Les supporters de la JSK n'ont jamais été comme ça, même si on n'aime pas quelqu'un, mais même si on est contre quelqu'un, je prends à témoin ici présent et tous les supporters de la JSK, j'ai fait des marches. Moi, j'ai fait des marches. Quand on a insulté le président, je suis sorti des rangs. Et tout le monde peut témoigner. Toute la population de Tizi Ouzou, tous les marcheurs, je suis sorti des rangs pour prendre le mégaphone et dire, si vous continuez à insulter individuellement la personne, je rentre chez moi. Non, on n'a pas le droit d'insulter une personne et de surcroît, père de famille et grand-père. Lève de porter atteinte à des gens qui ont servi le club, et je ne parle pas de ma personne, je parle d'autres personnes aussi. Il est indécent de procéder à ce genre de victimes. Calmez-vous, la JSK vit dans une région. C'est le symbole de la Kabylie. C'est le symbole de la Kabylie. Quand vous touchez à la JSK, vous touchez à toute la région. Donc, je m'adresse aussi aux médias, d'arrêter de porter atteinte à ce club par des propos parfois, j'allais dire, avérés dangereux, parce que parler des secrets du club au niveau de tous ces médias, au niveau de tous ces plateaux, risque de dégénérer. Et là, personnellement, je ne souhaiterais pas participer ou là, être un des auteurs de la déstabilisation de cette région. S'il vous plaît, mais avec un arbre, elle a besoin de soutien, les joueurs ont besoin de soutien. C'est vrai, encore une fois, c'est vrai qu'il y a eu des erreurs. C'est vrai qu'il y a eu des... Mais il y a eu des erreurs, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, il y a eu du mauvais. Ça, c'est la vie d'un club, c'est la vie de tout être humain. Tout le monde a commis des erreurs, on a commis des erreurs. On les reconnaît, on les avoue, les erreurs qui ont été commises. Mais, encore une fois, ce n'est pas une raison pour porter atteinte aussi bien au club ou là aux gens qui gèrent ce club.